Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Salut à tous, c'est Silariel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, enfin vous montrer Dark Souls, car un abonné m'a demandé de participer à sa peine et à sa souffrance sur ce jeu. Chose que je ne pouvais bien entendu pas refuser. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un des jeux les plus affreux qui puisse exister. De par sa difficulté, en fait, c'est un Die and Try. Donc passez votre temps à crever jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il faut faire. Alors pour les gens qui veulent faire des défis quand ils jouent à des jeux du genre pas mourir de la partie, c'est un petit peu une peine perdue. Donc à savoir que le jeu, personnellement, je l'ai jamais terminé. Je sais même plus comment faire. Alors là, en personnage, je me suis fait un pyromancien, car apparemment, c'est beaucoup plus simple de finir le jeu en maîtrisant la magie du feu. Voilà, donc ça, c'est un petit peu une sorte de checkpoint. Et si on regarde au-dessus, que vous le voyez là, vous voyez son gros ventre d'ici, oui, voilà, il est là. Alors ça, c'est un mini boss qui va me sauter dessus d'un instant à l'autre, et voilà, le voilà. Sauf que nous, on s'en fout, on se casse par là. Allumer un feu, non, pas besoin, normalement, mais pas vraiment. Hop là, on a un archer squelette. Tirer sa flèche. Flèche est très chercheuse ou quoi ces trucs? Alors, un rond d'hache. A savoir que dans ce jeu, on ne peut pas faire pause. Alors, hop là. On va le laisser fuir. Je prends ma hache. Je mets la place de ma poignée droite d'épée. Hache qui fait bien plus mal que cette foutue épée. Hop là. Pourriture. Alors, où est-ce qu'il faut aller déjà? Hop. Là, vous voyez qu'il y a quelqu'un. Alors, c'est un piège. C'est vraiment un jeu de fourbe. Alors lui, il nous parle, il nous dit des trucs passionnants. En fait, tu peux me demander de faire une quête, de l'aider et tout. Mais moi, je me contente de le buter et de récupérer ce qu'il voulait me donner directement. Ça va plus vite.
Alors, je vais me faire un petit raccourci, des fois que je meurs bêtement. Et là, vous voyez, on arrive ici. Aïe. Ah, j'étais trop pressé, je me suis pris la fin de son enchaînement. Flamme de pyromancie. Mince. En fait, ce que j'essaie de placer là, c'est un contre, mais je suis très nul. Ah. Bon, tant pis. En fait, ce qu'on peut faire, c'est un contre, donc bloquer au dernier moment le coup de l'ennemi et lui faire une contre-attaque dévastatrice. Mais c'est le genre de truc pour lequel je suis très mauvais. Ah mince, c'est moi qui voulais ramasser le truc. Et hop là. Et on va en tuer un petit dernier. Cette fois-ci, celui-là a un bouclier. Et voilà, celui-là, je l'ai contré. Bim! Tiens! Ça va calmer. Alors là, ce qu'on va faire, en fait. Hop, je prends mon arme à deux mains. On va arriver au-dessus du boss qui m'attendait tout à l'heure en hauteur. Et on va lui sauter dessus. Qui devrait le faire assez mal si je rate pas mon coup comme un noob. Voilà. Ça fait plaisir. Aïe. Bon, forcément, il est pas content. Et allez, prends ça dans le cul. Bouahahaha. Et voilà donc un premier boss. Pas bien compliqué du tout. Et on va sortir d'ici. Ça faisait un petit peu office de prologue en fait. Alors si je me souviens bien, au début il y a une âme à récupérer quelque part, je crois que c'est là-bas. Et en bas à droite, vous voyez qu'il y a des âmes, donc là j'ai 2320. Et avec les âmes, ce qu'on fait en fait, c'est une sorte de monnaie. Only in the ancient legends it is stated. One day an undead shall be chosen. Ah, ça c'est du gros corbeau. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Et nous y voilà. Alors ici c'est un endroit qu'on va visiter très régulièrement. Je vais me reposer. Hop là, alors là l'avantage de se reposer à ce feu là c'est que là j'ai 10 fioles de soins. Donc des fioles d'astuces. Je crois qu'il y a... Je sais plus par où il faut passer. Parce qu'il y a des petits trucs à ramasser avant de continuer. Bombes incendiaires, ah, ce qui me fait penser d'ailleurs
à équiper en deuxième arme ma pyromancie. C'est comme ça qu'on change. Alors lui c'est un brave gars. D'accord, je me suis trompé de bouton, en fait je voulais taper bêtement. Ah, je me trompe de jeu. Voilà. Donc lui c'est un gars qui peut nous apprendre des trucs plus tard. Des bénédictions et tout. Hop, on prend un petit truc à l'étage. On est fou, on saute dans le trou. Et des petits coffres cachés. Hop, alors là j'ai eu des os du retour, enfin un os du retour x6. Et c'est des trucs qui permettent de retourner au petit feu de camp là, qui sont les checkpoints. Parce que si on est paumé, on est bien content de pouvoir y retourner. Je suis un peu paumé là, voilà, c'est là. Alors je fuis parce que ça c'est des squelettes qui sont censés que je ne pourrai affronter que bien plus tard dans le jeu. Ah, il y a le gros corbeau ici. Et ah, il y a un truc là-bas. Je vais le ramasser de suite hein, tant qu'à faire. Donne-moi ton âme. Hein? Ah, je crois que je suis poursuivi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Parce que quand on fait, donne un coup de checkpoint, en fait, tous les adversaires réapparaissent, reviennent à la vie, si on peut dire. Hein, les morts vivants. Et du coup, ils réapparaissent à leur zone d'origine. Donc, c'est-à-dire que s'ils me suivent, et eh ben, ils me suivent. Allez, viens là, mon grand. Bim. Suivant. Hop là. Alors là au-dessus, il y a un rigolo qui me balance des fioles. L'idée, c'est d'éviter de me prendre son feu. Donc lui, je vais l'attirer, s'il veut bien. Voilà, voilà. Hop. Bim. Ah, je me jette au moment où l'autre va en son feu. Alors lui, on va lui régler son compte. Aïe. Ah voilà, il y en a un autre qui se ramène. Et voilà, il ne gênera plus. Et bam dans le dos. Ah, il y a lui qui veut faire partie de la fête. Et voilà. J'aime bien quand ça se passe bien comme ça. Alors vous avez sûrement remarqué qu'il y avait une tache de sang à un endroit tout à l'heure qui est apparue sur le sol. C'est parce que, en fait là je suis en mode en ligne. Et je peux voir les morts d'autres joueurs, voir leur tache de sang apparaître sur le sol quand ils meurent et tout. C'est assez sympathique. Et je me suis trompé de bouton. Non. Ah non. Ah le... Pfff. Ah ridicule. Ça commence très bien. Bon voilà. Je voulais sauter en fait et je sais pas comment on fait des sauts en avant, je sais plus. Parce qu'en fait là vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il a sauté dans le vide comme ça, c'est pour récupérer, c'est qu'il y a sur la droite là-bas c'est une bague en fait, c'est un objet. Mais c'est pas grave, j'irai le récupérer une autre fois. Je vais pas vous embêter avec ça. Aïe. Tiens, pourriture. Alors du coup ce que je vais faire là, vous voyez le tas vert, enfin le tas noir avec la sorte de fumée verte. Ce sont toutes les âmes que j'ai perdues en mourant. Et que je peux récupérer donc.
Il y a quelqu'un qui est mort. Regardez, toucher tasse de sang. Toucher tasse de sang. Hop, et je vais le voir mourir. Je vais voir comment il est mort. Et je sais pas, là je le vois plus à cause de lui. Aïe. Tiens, ça pourrait dire. Enfin bref, je récupère mes âmes. Merci. Je bois une potion de soin. Et j'y retourne. Donc il y a l'autre qui va devoir se ramener là. Aïe! Voilà. Hop, lui, il m'embêtera plus. Aïe. Oui. Bon. L'autre qui va se ramener là, cette fois-ci. Je fais tout à l'envers, je fais. J'aurais pu mieux faire. Ah, il veut pas venir. Tiens. Ah, il. Non! Ah! Allez, meurs! Et voilà! On va récupérer l'objet qu'il y a sur ce corps. Une âme de mort-vivant. On va buter le rat géant. Supposé que j'arrive à le toucher, bien sûr. Voilà. Et on récupère une autre âme. Ah, c'est comme ça qu'on peut. D'accord. Alors, si vous vous demandez aussi ce que sont ces petites inscriptions sur le sol, c'est des trucs genre attention, gauche, droit, devant. C'est des trucs que peuvent écrire les joueurs, mais au début, ce sont les scénaristes qui ont écrit les indications. Aïe! Ah, ils m'ont tué, j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont mis. Ah, je suis deg, ah, c'te fail. Ok, donc cette fois-ci je les bute. Allez, viens là. Viens, pourriture. Récupère mes âmes. Et toi, crève, charogne. Voilà, tu vois quand tu veux. Alors, je descends ici. On récupère ça. On se soigne. Et on enchaîne. Aïe, d'où tu viens toi? Non. C'est vraiment le genre de jeu où on passe son temps à crever, enfin surtout moi en fait. Alors les messages, droite, droit devant. Ah, en effet. Hop. Alors là, on les fait tomber. Ça nous embête moins. Et voilà. On récupère ça, détritus. On va récupérer ce qu'il y a là-bas. De l'humanité. Alors l'humanité, en fait, là, mon personnage, je sais pas si on va voir là. Ouais. Voilà, je suis un zombie et en utilisant des points d'humanité, en fait, je me transforme en être humain. Aïe, 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 aïe. Violet, violet, violet. Et voilà. Hein, il faisait les malins, il faisait les malins. Enfin bref. Ici rien. Bon, on va prendre de risques. Juste là j'arrive sur la fin de la vidéo normalement, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas le jeu bien entendu. Et bah voilà. Comme il est beau. Donc voilà, tout ça pour ça. C'est ce que je voulais vous montrer.
Allez, on va aller quand même jusqu'au prochain checkpoint. Aïe. Allez, viens de battre, viens de battre. Oh putain, ils sont deux. Allez, viens. Viens. Je sais plus ce que c'est, ce truc par terre, là. Et voilà, checkpoint. Hop, c'est bon pour moi. Bon les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo en entière. Si vous voulez plus de let's play sur Dark Souls, faites-le moi savoir. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao!